Avec, pour commencer, Mitja Petkovšek, le Slovène, attention à lui. Peut tout à fait aller chercher une médaille. Petkovšek, le Slovène, troisième au dernier championnat d'Europe, huitième au dernier championnat du monde. Il a beaucoup d'expérience, il était déjà présent lors des championnats du monde 97 à Lausanne. Il a 28 ans. Et lui ne fait que ça, que des barres parallèles. Donc autant dire qu'il est fort. Ici, salto en dessous, demi-tour, salto en dessous simple. Un deuxième salto en dessous, demi-tour, suivi d'un élément que l'on appelle le Peters sur une barre. Équilibre en force, jambes écartées. Et là, salto écart. Impressionnant, suivi d'une valse sautée. Ici, le 4-chef des barres parallèles. Énormément de rythme, grand tour sur un bras, un coupé écart, prise d'élan, à terre tenue, et la sortie oh tout oui, carpée. C'est énorme ce qu'a fait Petkovšek, le Slovène, franchement, c'était parfait. Ah, ça c'est beau, ouais, aucune faute, énormément de rythme, on va revoir ça au ralenti parce que c'était tout à fait impressionnant, et la sortie, mais vraiment rien à dire. Regardez cette tenue. La souplesse des épaules, et ici on va voir là que sa prise d'envol est énorme. Et il rattrape les deux barres en même temps. Et il enchaîne tout de suite pour donner du rythme. Regardez la hauteur qu'il prend. C'est un agrès éducatif, les barres parallèles. Donc il y a quand même beaucoup de ceux qui nous écoutent et nous regardent qui peuvent apprécier la difficulté de cet exercice en tout cas. Il place la barre, c'est le cas de le dire, la barre très très haut, là, Petkovšek, avec sans doute une note qui va être élevée, 9700, et oui, difficulté de départ, 10, 9700.